t'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC, je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut, arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Meter et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3. Tout est dans la description, je vous laisse checker. Bonne vidéo! Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, voilà, si on pouvait obtenir les plus de 1000 likes sur cette vidéo, ça serait énorme. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, donc on a commencé l'introduction, aujourd'hui on va parler concernant Call of Duty Black Ops 3 et des nouveautés qu'on a pu avoir via un partenaire. Oui, vous savez très bien, la fameuse introduction bien chiante, etc. Mais comme il y a des nouvelles choses, eh ben, je devais vous en parler. Et étant donné que j'en avais déjà parlé, c'était quoi, sur Infinite Warfare, donc ça prend quand même... C'était il y a longtemps de cela quand même, c'était je crois au mois de décembre, janvier, j'avais parlé de ça, donc voilà, c'était peut-être le moment d'en reparler, etc. Enfin bref, je vais tout de suite vous balancer, étant donné que je suis partenariat avec Digizani, et que je devais forcément vous en parler. Donc, pour toutes les personnes, oui, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore, par exemple, la possibilité d'avoir le Dark Meter, parce que ça commence à être un peu tard, parce que World War 2 arrive, ou avoir les spécialistes en or, je vous invite à aller checker tout ça dans la description. Bien évidemment, en contrepartie, bah, il faut payer, oui, malheureusement, c'est comme ça, il va falloir payer. Et comme ça, vous pouvez obtenir tout ce qu'il faut. Alors, je sais que j'avais déjà fait ça à une époque, ça avait fait polémique, disant que ouais, mais c'est pas très juste, LT, etc., pour les personnes qui l'ont monté et tout, etc. Je l'ai toujours dit, si vous avez eu la fierté de monter votre Dark Meter tout seul, level 1000 tout seul, et les spécialistes en or tout seul, mes félicitations. Mes félicitations, voilà, moi je vous le dis, Dark Meter, je l'ai toujours pas fait, etc. Et puis voilà, bon, quoique le Dark Meter, je m'en bats les couilles. Je vous le dis tout de suite, je m'en bats les couilles. Mais maintenant, il y a eu quelque chose qui est quand même assez sympa et que j'ai vu que beaucoup d'abonnés n'ont pas fait, étant donné que ça se passait à peu près durant les vacances. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas activé le Grand Slam. Le Grand Slam, vous savez, c'était l'énorme pack opening, enfin le dernier grand énorme pack opening sur Call of Duty Black Ops 3. Et donc, vous pouvez l'obtenir quand même, mais il va falloir payer au cas où. Je vais vous balancer le screen tout de suite. Voilà, maintenant, comme ça, vous pourrez éventuellement, pour ceux qui veulent justement obtenir des armes DLC, level 1000. Attention, alors level 1000 sur le multi et sur le mode zombie, d'accord, avec tout ce qu'il faut, mode zombie et tout. De nouveau, Dark Meter avec le, comment s'appelle, le camouflage Dark Meter et le spécialiste en or, etc. Enfin bref, tu connais les bails à force, etc. Et surtout, surtout, c'est que tu pourras quand même faire un énorme pack opening qui, par hasard, hein, t'as vraiment zéro arme DLC, tes levels quoi, tes prestige 1 et tout, etc. Et que tu veux ça, bah, je t'invite à aller checker dans la description et tu auras absolument tout ce qu'il faut. Et surtout, n'hésite pas de voilà, lâcher le petit code de réduction. Oui, si je fais quand même un code de réduction, c'est également pour vous avantager un minimum, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin bref, donc maintenant, je vais quand même en parler de ça parce qu'il y a eu pas mal de... déjà premièrement de polémique, déjà première des choses de la polémique, et deuxième des choses, j'ai eu pas mal de commentaires un peu bizarres, etc. Donc déjà première des choses, comme je vous l'ai dit, c'est comme t'as envie, si t'as envie de faire ce que t'as envie, voilà, ça a rien changé, quelqu'un qui est level 55 ou quelqu'un qui est level 1000, un level 55 peut juste défoncer ou démolir un level 1000, même un level 25 peut défoncer un level 1000, sachant qu'il sait jouer. Donc les gens qui me disaient, ouais, c'est du pay to win, etc., non, c'est pas du pay to win, parce que de toute façon, c'est pas en payant un compte level 1000 que tu vas devenir bon. Je vous le dis tout de suite, t'as beau être level 1000, tu peux avoir 0,6, 0,7 de ratio, les potes. Donc, non, non, n'écoutez pas ce genre de bêtises, d'accord? Ensuite, de nouveau, l'histoire du mérite. Comme je vous l'ai dit, si tu le mérites, etc., tu fais ce que t'as envie, d'accord? C'est comme t'as envie de l'avoir, ok? Moi, j'ai pas envie d'avoir le Dark Meter parce que ça me gonfle, je vous le dis tout de suite, ça me gonfle de sortir le bazooka pour essayer de détruire des trucs. Ça m'intéresse, mais vraiment pas, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment pas la foi pour faire ça, mais vraiment pas. Et ensuite, en plus de ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir des spécialistes en or? Je vous le dis tout de suite, je m'en bats les couilles, mais directement. Et donc aussi, le deuxième des trucs, alors j'ai vu énormément dans l'espace des commentaires de la première vidéo, gne gne gne, ça marche pas, etc., etc. Alors,
Si ça marche, mais faut suivre en fait toutes les instructions. Qu'est-ce que je veux dire par toutes les instructions? Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, j'ai créé une adresse email, etc. J'ai payé via cette adresse email là, etc., etc. Je lui ai dit, est-ce que c'est le compte, ton compte PSN? Il me fait non. Je dis, bah, c'est sûr alors que ça va pas marcher. Bah oui, parce que en question, il faut que ça soit quand même un code PSN. Si tu donnes une adresse mail et que c'est même pas comment ça s'appelle un gamertag PSN auquel tu joues dessus, bien évidemment, ça va pas marcher. Donc il faut bien suivre toutes les instructions. Non, parce que j'en ai vu beaucoup me sortir des conneries. Sauf une fois où malheureusement ils ont une maintenance, etc. Ils pouvaient pas faire, etc. Et les personnes qui ont payé ont reçu un bonus. Hein, ils ont reçu un bonus. Je crois qu'ils ont été, ils ont payé pour level 1000 sur le multi de BO3. Ils ont été level 1000 en plus sur le mode zombie. Donc ne vous inquiétez pas. S'il y a des soucis, au cas où si vous avez des soucis avec ça, parce que je vous le redis encore une fois, si vous avez des soucis, vous allez sur Twitter @djzani et ils vont tout de suite vous répondre. Préoccupez pas de ça, voilà, on va y arriver. Ne vous préoccupez pas de ça, tout simplement parce que ces personnes-là vont bien s'occuper de vous. Le CM est vraiment très cool, hein, le community manager de Djizani est vraiment très cool. Il est à l'écoute de tout le monde, etc. J'ai vu 5 ou 6 personnes justement qui s'étaient énervées. Il était resté calme, il est parti en privé avec les personnes, etc. J'ai pu avoir les screens et tout, etc. Donc le mec est vraiment très cool. Si vous avez un problème, il a de la patience et tout, etc. Ne vous inquiétez pas. Après, le temps moyen du lobby, normalement ça prend 3 ou 4 heures, hein. Vous ne pouvez pas, je le dis bien, vous ne pouvez pas vous faire bannir, sauf si, oui je le dis bien, sauf si vous vous amusez avec des potes à essayer de signaler plusieurs fois votre compte, etc., etc. Là c'est sûr que les mecs, quand ils vont voir 50 signalements, c'est même pas à cause du lobby, c'est juste parce que vous êtes assez con pour tout simplement vous amuser à signaler un compte, d'accord, qu'on soit bien d'accord entre nous. Non, parce que j'ai déjà vu des mecs et c'était là en mode oui, moi je l'ai fait, etc. Au bout de 2 jours, malheureusement mon compte a été banni. J'ai acheté, non mais c'est pas possible que ton compte ait été banni. Et puis j'ai quand même creusé, tu sais, je me dis quand même, etc. Puis il y a des potes à lui qui lui ont dit ouais, mais en fait il nous a demandé de signaler, etc., etc., etc. Je dis bah c'est sûr qu'au bout du 500 signalements, c'est sûr que ton compte il va sauter, c'est sûr. Hein. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Hein. C'est malheureusement c'est le cas hein, pour ceux qui ont suivi. Le restart de Other Gun, bah, malheureusement il s'est fait restart, on sait même pas pourquoi. C'est comme ça, malheureusement c'est comme ça, c'est Call of Duty Black Ops 3. Enfin bref, donc voilà, là-dessus, de nouveau, vous êtes au courant, vous ne pouvez pas vous faire bannir, c'est légal, d'accord? Parce que sinon, avec tous les youtubeurs qui en parlent, oui, parce qu'il y en a plein, hein, des youtubeurs américains, des youtubeurs FR, excusez-moi, je pensais à qui? Je pensais à Napo. Qui en a parlé, il y a Venom, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeurs américains, dont un de mes favoris, Green Goblin, qui en a également parlé. Donc, les potes, tranquille, d'accord? Tranquille, vous ne pouvez pas vous faire bannir si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de le faire, je vous le dis tout de suite, ne le faites pas, d'accord? Je ne vais pas vous inciter à dire achète, achète, achète. Non, 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 non. Tu fais ce que tu as envie. Si tu n'en as vraiment pas besoin, bah, tu prends pas comme moi, tu vois, genre, j'en ai pas besoin, je vais pas le faire. Par contre, si tu as envie de t'amuser, étant donné que c'est les derniers mois sur Call of Duty Black Ops 3, et je sais pas, tu t'es fait un nouveau compte, je sais pas, ton premier il a été banni X ou Y raison, d'accord? On va pas commencer à essayer de chipoter là-dessus, X ou Y raison, et tu décides d'utiliser, voilà, cette méthode-là, bah, sache que tu ne te feras pas bannir, et tu fais ce que tu as envie, et puis voilà, donc c'est tout là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, la petite méthode pour avoir le Dark Matter, level 1000, tout spécialiste, avoir quasi toutes les armes, enfin quasi toutes les meilleures armes DLC, etc. C'est un des meilleurs moyens, assez rapide et tout, et de confiance. Oui, je dis bien et de confiance. Je le dis bien et de confiance parce qu'ils ont eu zéro souci et qu'il faut absolument appliquer toutes les instructions données. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si ce week-end je repartirai en live sur Call of Duty World War 2. Oui, parce qu'étant donné qu'il y a eu la bêta de Call of Duty de Call of Duty World War 2 sur PC. Donc j'ai essayé, je me suis fait démolir clavier souris, etc. C'était quand même assez marrant, mais on verra si je vais sortir la manette, tout simplement parce que ça me paraît quand même assez bizarre, et puis surtout que déjà qu'il n'y a pas l'aide à la visée, et déjà que j'ai pas l'habitude du clavier souris, donc forcément, c'est déjà assez compliqué pour moi. Enfin bref, on va rester là-dessus, comme je t'ai dit, lâche ton pouce bleu si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses, si tu voudrais que je stream, etc. pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésite pas, hashtag tryhardarmy, etc. Tu connais les bails, on est des gros tryhards,
on l'assume et on défonce tout le monde sur le multi. C'était l'Octet 2. Peace out.